Lalo. Pumpin' the rhythm, pumpin' the bassline. Confident, you never get declined. Man come off and beg you take time. Fonse and Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, pescando arena con sal. Text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either, you can't even fly. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère vraiment que vous avez aimé les deux autres d'avant. Je voulais vous dire aussi un gros merci parce que maintenant, on est... je suis dans les visionnements, on est rendu à 99 visionnements pour ma première vidéo. Et pour ma deuxième vidéo, deux jours, on est à 17 visionnements. Donc, merci beaucoup, gang, de regarder mes vidéos. J'apprécie vraiment. Donc, comme à toutes les fois que je fais des vidéos, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus que j'en ai et plus que ça me donne le goût d'en faire. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Snapchat. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo et de commenter des idées de vidéos ou commenter parce que vous avez envie de commenter. Puis voilà, donc j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est sûr que pour moi, la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, en fait, c'est pas tant demandant, mais c'est vraiment quelque chose qui est comme... Dans le fond... C'est 5 choses que je déteste vraiment des personnes qui font ça. Donc, j'espère que vous allez vraiment aimer la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vous invite à continuer la vidéo. Donc, comme je l'ai dit sur mon intro, pas vraiment très clair. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses que je déteste vraiment ce que les gens font. Ou que même moi, je peux faire. Donc, j'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo. Donc... La première chose que j'aime pas que les gens y fassent, c'est de se montrer comme meilleur que toi ou supérieur que toi. Tu sais, là, c'est comme, ah ouais, mon père, là, il y a une Lamborghini, là, pis là, t'es comme, ok. Mais comme, moi, ça m'énerve le monde qui sont comme ça, vous comprenez? Je sais pas si vous comprenez un peu. Mais moi, le monde, genre, qui sont comme, ah, mais mon père, il y a ci, ah, mais moi, j'ai ça, ah, mais moi, j'ai ci, ah, mais ah, pourriez, genre, vous avez pas. Vous savez tellement pas comment vous m'énervez pour vrai dans la vie. Genre... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais pourquoi genre tu dis que ton père est ici ou que t'es ça? Tu sais, je vous dis, c'est pas qu'est-ce que t'as qui compte le plus. Tu sais, si toi t'aimes ça, genre t'as vanté de tout pis n'importe quoi, vas-y. À un moment donné, ça va se retourner contre toi, mon ami. La deuxième chose que j'aime pas des gens aussi, c'est les gens qui sont fake. Qui sont comme, ah oh, oui, moi je t'aime. Puis comme, ils vont voir une autre personne, puis ils vont dire à cette personne-là, « je l'aime pas, elle. » Tu sais, un peu genre « bitch », là. Genre, je suis comme... OK. Genre, je sais pas pourquoi, mais pour vrai, ça m'énerve, genre, le monde qui sont comme ça. Si t'es pas capable de dire... Si t'es capable, genre, de parler dans le dos de la fille ou de parler d'elle en mal avec quelqu'un d'autre, pourquoi tu le dis pas en pleine face à la fille, hein? Pourquoi, genre, tu vas pas la voir, puis pourquoi tu le dis pas? Si tu l'aimes pas, tu l'aimes pas, là, tu sais, ça finit là, elle va juste plus te parler ou elle va continuer, là, c'est quoi le pays là-dedans, hein? Explique-moi ça. Moi, le monde comme ça pourrait, genre, ça m'énerve. La troisième chose que j'aime vraiment pas, c'est les gens qui intimident les autres par rapport à leur poids, par rapport à leur grandeur, par rapport à n'importe quoi. Pour vrai, guys, ça vous sert à quoi d'intimider quelqu'un qui soit plus petit que toi ou soit qui est moins beau que toi? Tu comprends? Pourquoi vous faites ça? Tu sais, je veux dire... Que tu sois petit, grand, de taille moyenne, what the fuck, on s'en fout de ta taille, là. Genre, c'est pas ça l'important, tu sais, l'important, c'est que la personne, elle s'aime comme elle est, puis que toi, mettons, si tu vas la voir, puis tu commences à intimider, hey, la petite, ouais, la grosse, ou whatever, ben c'est sûr, là, que la fille, là, elle va pas s'aimer, là. Puis c'est sûr que plus tard, on va avoir de la misère à s'aimer comme elle est, là. Genre, on pourrait arrêter de faire ça. Ça vous sert à rien, c'est quoi? Parce que ça vous remonte. Même si ça vous remonte. Genre, va faire ça ailleurs, regarde dans le miroir avant de parler au pire, là. Tu sais, c'est pas pour rien que ça existe, c'est un miroir, tu sais, c'est pour que tu te vois, you know?
Fait comme, au lieu d'intimider les autres, la traiter de grosse, la traiter de petite, la traiter de n'importe quoi, ben juste ferme-la. Parce que tu sais tellement pas où est-ce que ça peut se rendre. Tu sais, la fille, elle peut se suicider parce que t'as dit ça, ou parce qu'il y a d'autres monde qui ont dit ça. Fait que c'est sûr que, alors, le pays, c'est toi là-dedans, parce que c'est toi plus tard qui va avoir des conséquences si, mettons, la personne la suicide. Vous comprenez? Fait qu'arrêter d'intimider le monde, ça sert à fuck all dans la vie, ça sert à rien. Donc, la quatrième chose de qu'est-ce que j'aime pas sur les gens, c'est que, mettons, les gens qui ont des lignes de marques comme Adidas ou Marco Polo ou... vous comprenez, genre du linge de marque, puis que vous voyez quelqu'un qui est comme nouveau, puis qu'il n'y a pas de linge de marque, que vous allez niaiser. Tu sais, je vous ai, ok, toi, tes parents ils ont peut-être le moyen de te payer genre du Marco Polo, du Adidas, du Nike, ou whatever, you know. Mais ça veut pas dire que l'autre personne, ses parents ont les moyens, vous comprenez? Fait comme c'est pas vraiment la faute à lui. Genre, faut que vous appreniez à savoir que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de se payer des affaires qui coûte vraiment cher, puis qu'au final, c'est toi qui soit niaisé par rapport à son linge. Tu sais, je vous dis, oui, ok, tout le monde suit la mode, puis c'est bien. Mais comme d'une autre façon, tu sais, il y en a qui ont pas les parents n'ont pas les moyens pour leur enfant de leur acheter qu'est-ce que vous avez déjà. Puis comme, allez pas niaiser les autres personnes. Moi, pour vrai, ça m'énerve les gens de même. Parce que moi, je vais vous dire de quoi, là. Moi, quand je suis arrivée à Longueuil, là, je portais pas de linge de marque, là. Je pense que la seule affaire que j'avais de marque, c'était genre du Puma. Mais même devant ça, puis moi, j'appelle pas ça une marque, là, mais tu sais, j'avais un jogging depuis moi. Puis mes souliers, c'était des souliers de Walmart, là. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable de me payer des souliers d'Adidas, de Nike, des vestes d'Adidas. Tu sais, des affaires qui valent quand même assez cher. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir les moyens, vous comprenez? Fait comme, arrêtez de niaiser le monde par rapport à ça, parce que pour eux, c'est juste plate. C'est vraiment plate que vous fassiez ça. Parce que tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde, comme je vous disais depuis le début, qui a les moyens d'acheter ça à leur enfant. Ça pourrait, soyez comme respectueux envers ça. Et la cinquième chose que j'aime vraiment pas des gens, c'est quand les gens font de l'attitude, genre, sont comme, ouais, mais tu sais, tes parents sont pas comme ça, hein. Tu sais, genre, un peu l'effet bitch ou genre les gars, genre, qui se pensent cool parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils ont plein de filles, you know. So, moi, je déteste vraiment le monde comme ça. Pour vrai, genre, ça vous donne quoi, genre, d'être bitch avec quelqu'un, genre, que même vous, si vous. Tu sais, je vous dis, ça vous donne quoi d'être bitch avec le monde? Ça vous donne rien. Tu sais, ok, tu peux être bitch avec tes amis, tu peux être bitch avec tout le monde. Mais au final, à un moment donné, dis-toi que c'est toi qui vas se retrouver toute seule, là. Genre, ça sert à fuck all d'être bitch ou whatever. Excusez-le, parce que je trouve pas vraiment le bon terme, mais comme, arrêtez d'être bitch, puis arrêtez de faire l'attitude. Tu sais, oui, ok, des fois, tu sais, je vous dis pas que moi j'en fais pas. Oui, j'en fais, mais comme, tu sais, je suis capable, là, de comme, de contrôler ça, puis pas le faire nécessairement à d'autres personnes, là. So, pour vrai, faites vraiment attention à ce que vous dites ou faites, là. Donc, pour vrai, c'est vraiment les 5 choses que je déteste vraiment des personnes qui font, ou que même moi, je peux faire, tu sais. Je sais que, tu sais, je fais de l'attitude, que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je sais que moi aussi, j'ai mes défauts, mais pour vrai, essayer, comme, d'arrêter ça, surtout l'intimidation, parce que pour vrai, c'est tellement pas bon, tu sais, ça l'amène au suicide, le monde. Puis, après ça, tu sais, vous allez vous sentir mal parce que vous allez vous dire « Ah, c'est de ma faute parce que je l'ai niaisé. » Mais si tu l'aurais pas niaisé au début, si tu l'aurais accepté tel comme il était, ben il serait peut-être encore en vie, you know? Ça pourrait juste... Aimez-vous, genre, je vous demande pas d'aimer nécessairement la personne, mais comme de respecter la personne, respecter ses choix, respecter ses valeurs, respecter que peut-être elle n'en vit, elle s'aime pas telle qu'elle est. Sur ça, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, ben, mettez l'autre pouce, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je ne vais pas vous forcer à aimer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de YouTube, de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et Instagram et Snapchat, excusez. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Moi, tu pourrais, c'est 5 choses que j'aime vraiment pas, mais comme je sais que j'ai autant à m'améliorer, comme pas mal tout le monde, tu sais, comme on dit, tout le monde a ses qualités et ses défauts, puis il faut juste savoir ses qualités et ses défauts. So, pour vrai, guys, tout le monde, aimez-vous comme vous êtes, que vous soyez petite ou whatever, vous êtes belle à votre façon. Puis, ayez confiance en vous, c'est ça l'important. La confiance de base, c'est la confiance en toi. Mais la vie, elle va être belle, la vie, elle va être meilleure. Puis, ceux qui se font intimider, ben, allez voir quelqu'un, allez en parler avec quelqu'un, ou je sais pas, parler à quelqu'un que vous êtes proche, à un ami, à la famille,
ou allez voir quelqu'un à l'école justement que vous, en qui vous avez confiance, que ce soit un professeur, la directrice, la secrétaire, les surveillants. Allez-y, pour vrai, ça va vous aider, parlez-en. Restez pas toute seule là-dedans. Au pire, genre, si tu fais intimider, viens m'inbox, puis moi je vais t'aider parce que je sais c'est quoi, je l'ai vécu, you know? So, bref. C'est... Donc, moi, comme je vous disais, je vous dis à la prochaine, guys. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve à tous les mardis et les dimanches pour une nouvelle vidéo, guys. Bye! I can't remember a time I was goddamn wrong. Man, thanks, little bug. Hey, man, that's what I'm here for. I ain't been getting high. Well, maybe a little, baby, I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either, you can't even fly. I